Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir sur cette page. J'espère que vous appréciez ce que vous trouvez. Si vous souhaitez avoir certaines informations, certains enseignements ou qu'on parle de certains sujets précis, vous n'hésitez pas à le noter en dessous en commentaire et je me ferai un immense plaisir de répondre à vos questionnements. Rien ne saurait excéder l'honneur d'être ici aujourd'hui avec vous. On va voir quels sont vos enfers. Est-ce que vous connaissez vos enfers, puisque le but de la vie, c'est de vivre une vie heureuse. L'âme est descendue s'incarner sur ce plan terrestre, non pas pour souffrir, non pas pour être dans la douleur, mais pour trouver les moyens de sortir justement de ses enfers avec succès et dans l'amour d'elle-même. On va peut-être démarrer par une jolie prière qu'il me ferait plaisir de partager avec vous. Je vais vous la dire de suite. Prière purificatrice pour aller purifier intégralement chacun de vos corps. Au nom de Dieu Tout-Puissant, dans le nom sacré de Jésus vivant en moi, dans la flamme sacrée de l'Esprit Saint, je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs bienveillants concernés, de joindre tous leurs efforts, toutes leurs forces, leur puissance, afin qu'il soit maintenant procédé au nettoyage total et intégral, à la purification, remise en état complète et régénération à son point d'origine de chacun de mes corps, physique, énergétique, éthérique et de mon aura, et de tous les plans et de tous les univers où des parties de moi existent. Merci. 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 Et vous pouvez faire cette prière chaque matin et l'intégrer dans votre morning routine, dans votre routine matinale. Quels sont nos enfers? Comment est-ce que l'enfer arrive à nous atteindre? Déjà, je vous propose de porter le scapulaire constamment, qui est une puissante protection énergétique, et de ne jamais le quitter. Que vous le mettiez à l'intérieur de votre t-shirt ou bien que vous le posiez comme moi à l'extérieur. Si c'est l'hiver chez vous, vous le mettrez sous votre pull ou sur votre pull, c'est vous qui voyez. C'est vraiment un bouclier protecteur de lumière christique et de lumière mariale qui vient être apposé sur vous pour vous protéger infiniment. Comment l'enfer arrive à nous atteindre? Il nous atteint le plus facilement, le plus aisément par des angoisses, par des peurs, par des craintes, par la distorsion du corps mental qui, de nos expériences de vie passées, va nous entraîner dans des peurs pour le futur, nous empêchant de vivre dans notre présent conscient en étant ancré ici, dans aujourd'hui. Nos enfers démarrent toujours par des peurs, des craintes, des angoisses, des inquiétudes, des préoccupations. Mais quand vous êtes préoccupé, c'est que vous êtes occupé à l'avance. Donc vous vous occupez d'un futur hypothétique qui n'existe pas ou qui n'existe pas encore, et personne n'a de machine pour aller vivre dans le futur pour voir ce qui va se passer. Personne ne sait. Donc ces préoccupations nous tirent vers le bas, font dégringoler notre taux vibratoire, et quand vous avez le taux vibratoire au plus bas, vous ne pouvez pas voir, c'est impossible, toutes les possibilités, toutes les synchronicités et toutes les opportunités que la vie vous balance au quotidien autour de vous. Donc nos enfers démarrent par des pensées négatives qui sont associées
à des craintes, des peurs et des angoisses. Et quand vous dites j'ai peur que ça m'arrive, j'ai peur que ça arrive, j'ai peur que ça arrive, ah, je le savais, ça allait m'arriver. Non. Vous avez créé cette situation. Vous avez bien inconsciemment demandé à l'univers de vous envoyer cette difficulté. J'ai peur de ne pas pouvoir finir le mois, j'ai peur de ne pas pouvoir finir le mois, j'ai peur de ne pas pouvoir finir le mois. Je vous le donne en mille. Votre peur est tellement cristallisée qu'effectivement, elle va se réaliser. Mais quand vous comprenez que ce cheminement créateur est aussi possible pour tout ce qui est positif, on crée énormément dans le négatif parce qu'on nous a appris depuis l'enfance à avoir peur d'à peu près tout et on nous a mis notre confiance en nous au fond de la cave. Donc, on est toujours dans ces peurs-là, dans une espèce d'énergie de survie qu'on connaît super bien parce que ça fait des milliers de vies qu'on s'incarne et pendant nos milliers de vies d'avant, effectivement, très 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 longtemps, on a été en survie. Mais aujourd'hui, on n'est pas en survie. Si vous m'écoutez, si vous m'entendez, vous avez un toit sur la tête, vous avez de la nourriture dans le réfrigérateur, vous avez une porte qui ferme à clé, vous n'êtes pas dans un pays où il y a la peine de mort, vous n'allez pas être trucidé, crucifié, vous n'allez pas être guillotiné, vous n'allez pas être fusillé. Relax, relax, relativisez. Au niveau des peurs, des craintes et des angoisses qui vous assaillent et qui viennent du bas astral et qui ont tellement de portes ouvertes dans votre champ d'énergie pour y pénétrer et pour y faire des bébés. Quand vous comprenez que ce mouvement créateur, vous pouvez l'effectuer pour ce qui est positif, il faut juste monter un tout petit peu votre niveau de foi infaillible. Je viens de répondre à une dame dans un mail qui sait pas qu'il y a une personne qui me dit je décale le rendez-vous, alors j'annule le rendez-vous, je reprendrai plus tard. Dieu pourvoit. Et qu'est-ce que Dieu va me proposer de tellement éblouissant qu'il a besoin que ce jour-là, à cette heure-là, je sois disponible pour recevoir un cadeau? C'est ça la foi imputrescible, insubmersible et infaillible. Et quand vous avez cette foi-là, vous avez un taux vibratoire très élevé. Et cette création presque instantanée de positif peut alors commencer et démarrer. À chaque fois que vous émettez une pensée, qu'est-ce que Dieu m'a prévu de tellement génial ce jour-là pour qu'il annule le rendez-vous professionnel? Vous y pensez trois fois. La première fois, ça prend votre énergie, la pensée est émise, comme une radio qui émet une onde. La deuxième fois, ça reprend de votre énergie. La pensée est réémise, donc elle est soulignée, durcie. Vous y repensez une troisième fois, ça reprend encore un peu de votre énergie. Et c'est tellement cristallisé que vous lui permettez d'exister dans la matière. Donc, pensez-y à chaque fois que vous allez vous inquiéter pour quoi que ce soit. Pensez bien que Dieu pourvoit et que, comme je le dis souvent, à tous ceux qui veulent vous enterrer, dites-leur que vous êtes une graine et que personne, personne, personne ne pourra jamais vous empêcher de croître et de pousser. Je vous embrasse, je vous aime. Abonnez-vous. Partagez la vidéo, envoyez-la, s'il vous plaît, à trois amis qui en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Je vous aime.